Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Bon, nous venons garder avancement travail. Et forme de quadrilatère là, nous avons projeté pour nous faire quadrilatère là dans lui-même. Nous avons projeté pour nous faire avant décembre, 24 décembre. Mais nous avons essayé d'arriver dans le mois de novembre, nous avons pris nous arriver dans le Ricapois, Borex, c'est-à-dire de Rue Saint-Honoré, pour nous aider à l'enterrement. Et pour nous arriver dans le Ricapois. Et puis on a pris le capot lui-même pour nous arriver dans décembre pour nous arriver le bord et triomphe. Et on a baissé ça comme cadeau dans 2020, dans 2020. Et dans le reste, vers mars pour nous faire ça. Vous connaissez toutes les contraintes que nous avons rencontrées. Notamment, nous n'avons pas travaillé le matin. Et on a des problèmes qui gagnent le matin dans centre-ville. Donc nous travaillons surtout dans la nuit. Mais nous avons projeté pour nous travailler la journée dans la nuit. Pour nous faire un modèle de ville. Président, nous avons fait des routes. Et modèle de ville, ça, c'est ça que nous commençons à offrir dans la rue de la Réunion, zone de palais ministère. Donc l'appel là. Dans la zone Borex, non point que nous sommes contents de tout. Et moi, je crois que nous avons joué toute intelligence pour garder. Parce que mentalement, nous avons un problème en Haïti. Tout ce qui a trait de propriété, nous n'avons pas de well. Tout ce qui a trait de bait qui est bon, nous n'avons pas de well. Comme si nous-mêmes, c'est dans la saleté nous avons vivre. Nous-mêmes, responsables. Nous avons pour devoir faire un bagage pour jeunesse. Contre lui-même, contre volonté au même pour prendre bagaille pour quitter le bouillon pour voir que nous mêmes nous sommes combats et nous sommes pour payer ça que nous avons ensemble pour aller la terre ça si nous faisons nous projetons tout pour nous faire 3 à 4 rues avant de pas nous finir si, même si nous allons réhabiliter et rénover toute ville mais nous allons garantir tout ça nous faisons nous changer caniveau totalement trop trois nous rectifier le système drainage et nous changeons couilles de fondation, nous changeons couilles de bazar, nous changeons couilles de roulement. Et paysage là-même, la ville en paysage qui est accepté. Tout bord et lycée Pierre-Louis, tout bord et l'hôpital militaire, là, tout bord et l'hôpital général, nous avons changé, y compris faculté des sciences, côté moi-même, moi sorti. Moi, je dois faculté des sciences avant d'ouvrir pour m'offrir un environnement normal pour étudiants qui ont comme modèle. Pour eux-mêmes, là où ils sont diplômés, là où ils remplacent nos demain, ils ont fait des bons bagages dans le pays. Et après l'élargissement, ouais, ça nous appelle tout à l'heure, beaucoup de l'hôpital militaire, là, nous prenons élargir la route, là, nous mettons près de 4 à 5 mètres sous lit pour que nous ayons une route côté zone ça, pas de blocus que nous avons fait longtemps. Et dans toute l'autre zone, côté nous avons élargi, nous avons trop de côté nous capable de naviguer normalement. Mais sauf, nous pas arrivé à nous, depuis que trop trois, c'est machin qui vous gagne. Nous disons un grand merci avec le président de la République là, qui a fait le choix de José Isnader comme ministre de la République pour venir faire et continuer le travail qu'elle a dit l'affaire. Je ne veux dire à la président dit tire cela c'est pour le peuple là. En de tirer cela c'est pour le peuple là, il voit ingénieur Nader à nous comme ministre de la République pour faire le travail là. Et nous avons constaté que son grand chantier nous là, qui travaille, c'est le petit peuple là qui la donne. C'est bon l'autre monde. Et nous travaillons de jour et nuit. Nous-mêmes, au lycée circulation, nous ne travaillons pas nous fait. Et nous connaissons l'autre instance qui concerne la question de circulation, tout, nous ne travaillons pas pour faire tout. Et je regarde là, et au niveau des travaux publics, il y a des travaux qui commencent à être faits, qui se bouchent une série de routes. Des fois, c'est routes qui ont des problèmes, des fois qui ont créé, bloqué ça. Et mairie, on n'a pas parlé avec eux, on a travaillé avec eux.
ça est capable de faire bon côté paillou, il y a capable de faire pour nous capable de une bonne circulation. Et le ministère des Travaux publics tout également, nous avons pour parler avec lui. Et il y a quelques côtés, il y a travail pour faciliter nous capable de une bonne circulation. Et les policiers sont toujours présents au niveau là, rien pour faciliter la circulation en fait librement. Même sanction que vous capable de prendre pour un véhicule cap pour les animer les machines là, c'est même bagarre lié pour motocyclette là. Motocyclette pas capable côté lié de le dire côté lié camper dans coupe pour empêcher machine arriver automatiquement un policier qui présent sous axa là bien pour sanctionner conducteur moto ça sévèrement suivant ça la loi dit. Je dis en non direction de la circulation et de la police routière, à l'occasion de rentrer des classes là, côté que au commandement prend un ensemble de mesures pour être capable d'assurer la population sous ensemble de mesures qui pourra adopter en matière de circulation routière. Et c'est dans le cadre ça qui fait que direction circulation a décidé d'inviter la presse pour être capable de dire à la population que yo doit rester tête frette parce que le commandement a pensé pour yo. Et même lorsque nous n'avons pas présenté la conférence de presse préalablement, c'est justement pour nous être capable de bien préparer l'entrée des classes là. Et nous allons louer tout de suite ensemble mesure que le commandement qui est en tête li, directeur général Normil Rameau, et il a instruction formelle à nouveau directeur circulation pour que dans l'entrée des classes, tout le monde capable d'évacuer l'activité librement sans problème. Et c'est ainsi que nous allons commencer à partir de jeudi à parler là. Ensemble de mesures que nous allons annoncer là pour rentrer en vigueur, et tout agent qui est affecté à la circulation et à la police routière, quel que l'en soit, ça qui en dans circulation et de la police routière, à Pétionville, à Tabar, à Delma, à Carrefour, Croix des Bouquets, il y a des instructions formelles pour appliquer ensemble des mesures. Qui sont les mesures? Mesures basées sur deux axes principaux. Premièrement, c'est la prévention. Deuxièmement, c'est la régulation du trafic. En parlant de la prévention, nous connaissons la police là, c'est une police préventive. Présence policière d'abord, l'igétant dissuader bandits lorsque les gagnants ont acte délictueux la commettre. Eh bien, c'est ça que fait policier circulation. Nous parlons que de très tôt dans la matinée, nous allons investir toute zone métropolitaine, d'une part, pour capable de gagner une présence effective dans la rue, sur le plan de sécurité, de prévention. Et deuxième volet, qui c'est régulation, par rapport à ensemble de trafic de machines, motocyclettes, piétons. Il faut que sous la voie publique, tout le monde circule librement. Et nous gagnons l'autre aspect, nous parlons encore, c'est question de visibilité de policiers. Parce que policiers circulation, puisque c'est lui-même qui a assuré d'abord la prévention sur la voie publique, eh bien, il faut qu'il soit visible. Et c'est pour raison ça qui fait que au commandement, il est doté, direction de la circulation et de la police routière, d'un ensemble de matériel, à savoir gilet fluorescent. Éventuellement, nous allons voir des policiers qui gagnent un sifflet dans le mur parce que sifflet, c'est un accessoire qui permet aux policiers de communiquer avec le conducteur. Et nous allons voir tous les policiers qui sont occupés d'un ensemble de matériel tel que bottes. Nous allons voir les gens motocyclette qui pour faciliter circulation en fait de plusieurs axes parce que pour le Brest-Lan, centre métropolitain pour le diviser en plusieurs axes. Pour gagner dans chaque axe, il y a un ensemble de motocyclettes qui
pral de manière rapide, de manière urgente, intervenu justement pour être capable de réguler la circulation. Et troisième bagaille, nous parlons après visibilité, nous parlons question respect du code de la route. Ça, nous croyons que tout le monde qui a regardé là, je dis, question ça, nous pouvons y intéresser tout le monde. Question respect du code de la route là. Parce que nous connaissons la loi circulation, qui c'est décret ça, décret 26 mai 2006 là. Les chauffeurs, quel que soit l'heure où prend la route au volant de l'automobile, premier bagage qui vous passe dans la tête, c'est que vous gagnez respect principal pour respecter. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.